Convoquer chez la chef. Ici, tout va pour le mieux, j'espère. J'espère que c'est le cas. Mais cela dit, il y a d'autres voies à explorer si vous souhaitez un nouveau défi. Elle me fait des avances? Ah. J'ai eu un appel d'une autre écurie il y a quelques semaines. Et vous savez quoi, il y a du nouveau défi. Voici les propositions que je vous ai décrochées. Vous n'avez aucune obligation, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je vais aller chez Mercedes? Alors, changement d'écurie. Vos prouesses sur la piste ont suscité l'intérêt d'équipes rivales. Certaines de ces offres pourraient retenir votre attention. N'oubliez pas que les écuries affiliées proposent souvent de bons contrats de départ. Maintien en temps. Passage. Poste de deuxième pilote chez McLaren, mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Deuxième pilote? Non, 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 moi je reste chez la Scuderia. Vous savez, j'adore ce sport. J'adore me retrouver au cœur de l'action. Sentir l'odeur de l'essence et des gommes brûlées. En tout cas, je serai aux premières loges pour assister à votre prochaine performance. Bon. J'ai actuellement deux épreuves de haute volée à vous proposer. Mais vous aurez sûrement une préférence, ou je me trompe. De mon point de vue, il n'y a aucune différence notable. Alors c'est à vous de choisir. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Course-poursuite, États-Unis court. Vos adversaires ont des voitures moins performantes, mais ils disposent une certaine avance, doubler tous vos adversaires avant de boucler le nombre de tours de préférence, une Ferrari 2004 ou un contre-la-montre, participer à une épreuve contre-la-montre et boucler le nombre de tours dans le délai imparti avec une McLaren de 2008. Et bien on va tenter la McLaren. Bienvenue à cette présentation internationale qui met en scène la crème des pilotes automobiles au volant de voitures rétro emblématiques. Ça fait toujours bizarre de changer de caisse. Pas mal de concurrents. Fou. Je glisse un peu. Ça c'est marrant la forme de l'aileron avant là. Cette ligne droite. Bouclé.
non plus que j'avais percuté. Pas fait gaffe à combien on est monté tout à l'heure. 306. Je pense qu'on va pouvoir faire le troisième tour sans souci. Alors si on a un accident, on va éviter bien sûr. Et dernier tour. Éviter l'accident. Ça passe. Cinq secondes pour terminer. On va éviter de la casser là. C'est une Renault Williams, on dirait. Mission réussie. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Les nouveaux éléments devraient être installés pour la première séance d'essai libre. Voici le rapport d'usine. Pec. On n'a pas 7 points, donc direction les essais libres. Bienvenue en Hongrie, où nous nous préparons au départ du Grand Prix. Les équipes font des réglages de dernière minute pour s'adapter aux conditions humides de la séance d'essai d'aujourd'hui. Oh là, la piste elle est complètement trempée. Le temps est morose et les regards derrière le muret des stands le sont tout autant. La frustration des ingénieurs est compréhensible, Nicolas Martin. Ils espéraient sans doute une piste sèche. Mais il pleut des cordes, aucun doute là-dessus. On aurait presque de la peine pour ces pauvres ingénieurs. Il faut dire que les deux voitures sur la piste exigent un travail colossal et pas uniquement dans les stands. Des centaines de gens travaillent également à l'usine. L'équipe présente sur le circuit ne représente que la partie visible d'un vaste processus. Quand il se met à pleuvoir, on connaît immédiatement un certain nombre de choses. Pour commencer, la vitesse est bridée. De plus, de nombreuses données obtenues sont inutiles, même lorsque le pilote se débrouille bien. Et comble de malheur, on a toutes les chances d'avoir recours à un plan de secours. Bon. On va commencer par le sprint.
ça glisse. Je vais pas commencer le tour encore. Hein. C'est parti. Dans ce genre de conditions, tu vas subir beaucoup de projections d'eau de la voiture de devant. Les pneus pluie Pirelli peuvent évacuer environ 65 litres d'eau par seconde, dont une bonne partie directement sur ta visière. Garde ça en tête et laisse de l'espace aux autres voitures. Pas la peine de prendre trop de risques pour cette session, ok? Pas atteint les temps voulus, il va falloir faire mieux. Le programme d'entraînement est terminé. On a tout ce qu'il faut. Rentre au garage. Ensuite, stratégie de course, toujours en pleine pluie.
forcément les temps sont moins contraignants. Test d'avant. 35. Très beau travail, toutes ces données vont nous être utiles. Nous avons près de 4 tours de carburant. Tour de l'avance, attention. Faut que je m'endorme. Jolie prestation. On a obtenu ce qu'on recherchait. Continue comme ça. Très beau travail, toutes ces données vont nous être utiles. Reste... Ensuite, économie de carburant. Thank you.
pluie va un peu s'arranger dans environ 5 minutes. Pluie fine dans 5 minutes. Que la pluie est un avantage pour l'épreuve. On entend bien dégradé et puis on va bien ne pas arriver comme une furie. Peut-être que je fasse gaffe à pas m'endormir dans le virage tellement ça va pas aller. Terminer cette première séance d'essai libre, gestion des pneus. Ok, la pluie devrait se calmer dans quelques minutes. On sera bientôt sous une pluie fine. Ouais, mais les essais sont terminés. Du circuit ça près de 4 tours de carburant. Satisfaisant sur ce tour élu sur Décom, 4 bien avec nos estimations. Jetons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Une Ferrari, Hamilton et Max Verstappen. Nous en avons terminé avec la séance d'essai libre. Nous espérons vous retrouver bientôt. Distribution de points. La pluie s'est arrêtée, on va pouvoir lancer dans une reconnaissance du circuit. Pouvoir découvrir
un circuit sous un autre angle. Ça va même faire bizarre. Oh là là. Comment j'ai celle-là? Bien joué. On dirait que tu commences à connaître le circuit. On va peut-être pas aller chercher les 425. Les virages. Si tu enchaînes plusieurs virages de suite, tu gagneras des points bonus. Voilà, déjà tout à l'heure, je crois que celle-là, je l'ai loupée. Oh là là. C'est là que j'ai zappé tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Dernier tour avec le programme, je répète, dernier tour. Les participants ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3, Hamilton, Vettel et Valtteri Bottas. Ah, Vettel est en Merci bien. D'avoir assisté à cette séance d'essai libre. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. Le patron m'a fait lire la rubrique People ce matin. On dirait que tout le monde en a après votre nouveau rival. Voici les détails. Ah, changement de rival. Hamilton. Bonjour. Je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Ok. On a 7 points. Plus nous a rien. Je vais montrer châssis. Le problème c'est qu'il va nous faire plus de points. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bonjour à vous, fans de course, nous voici sur le Hungaroring. Nous allons bientôt savoir qui a trouvé le parfait réglage pour sa voiture. Alors, en pneu D, super tendre.
explosif. Chicane là. Colle au cul. Toujours derrière. Ah là là, j'ai eu peur de prendre le mur. Je vois rien. Non. Premier. Premier, mais à mon avis, pas grand chose. Nous nous remettons doucement de nos émotions à l'issue de ces qualifications. Voici le top 3. Une Ferrari, Hamilton et Sébastien Vettel. Nous vous disons donc au revoir, mais la course promet d'être passionnante. Ne manquez pas le grand départ de demain en notre compagnie. Il fait sa face gagnée.